Alors, monsieur le coprésident, est-ce que le tirage au sort vous convient? Oui, ma foi. Nous recevons déjà, parce que sur les 4 premiers tours, on s'était dépassé 3 fois. Et cette fois-là, nous recevons. Les Gastel, ce sont des voisins. Mon équipe de DHR se joue. Un match de coup, ça reste un match de coup. Donc, une équipe de D1 à ce niveau-là, Brest-Saint-Laurent, ça vous est arrivé souvent? Oui, il y a quelques années, combien, 7-8 ans, nous avons été au 5e tour, contre le Tourbillon, nous avons pris 5-0, je crois. Enfin bon, plus vieux, alors des périodes plus vieilles, ça nous est déjà arrivé. Et depuis quelques années, c'est vrai qu'on se faisait éliminer rapidement, 2e tour, 3e tour. Et les gens n'étaient pas motivés. Cette année, ils sont très motivés, une bonne équipe. Plougastel, DRH, ils ont qu'à bien se tenir alors. Bah, disons que je pense qu'on a une petite chance. Je dis pas qu'on va gagner, non, mais sur un match, on a nos chances. Est-ce que ça fédère le club, ça anime le club et du coup le public répond présent? Jusqu'à maintenant, le public, enfin si, à Préva, on a eu pas mal de supporters qui nous ont suivis. Maintenant, c'est un championnat qu'on aimerait que le public vienne un peu plus nombreux. Parce que c'est vrai, quand nous étions. En DSR, on avait du monde, on est descendu en première division, il n'y a plus personne en match. On pense que la courbe va nous attirer quand même des anciens qui vont revenir au match. Nous espérons ça maintenant. Et si par bonheur, on passe ce tour-là, après il nous restera plus de sauter avec vos marchands chez nous. Voilà. Bon, bonne chance et surtout plein d'espoir pour le prochain tour. Bonne chance. Merci beaucoup.